Bonsoir, donc je continue les ouvertures, je vais faire l'ouverture numéro 23. Donc pour mon concours des 1K et plus. Donc 23, je note dans mon carnet. Donc j'ai reçu une belle enveloppe aujourd'hui qui me vient de Stéphanie. Stéphanie, donc aujourd'hui on est le 6. Donc je l'ai reçu ce midi. Stéphanie C du 51. Du 51. Donc hop, Stéphanie, je t'ai rajouté sur la liste. Tu as le numéro 23. 23. Bon, je vais essayer de cacher mon adresse. Est-ce que j'ai quelque chose? Ouais, j'ai un petit bout là. Donc Stéphanie, elle m'a envoyé une enveloppe comme ceci avec du joli washi de Noël. Bleu clair avec des petites têtes de Père Noël. Elle en a mis ici et elle en a mis ici. Voilà. Donc je vais ouvrir sa participation à mon concours. Oh, bah, y a plein de belles choses. Il y a plein de jolies choses. Alors, voyons voir. C'est joli. Oh, oh là là. Petite chose qui se mange aussi. Alors, voyons voir. Que j'essaye de comprendre. Ah oui. Alors, la carte. Voilà, c'est ça la carte. Très jolie carte comme ça, et c'est un système. Alors c'est un système, bah oui, c'est un système. Donc là c'est des, ah mince, des stickers un peu mousse avec de l'argenté, hein. C'est des stickers qu'on avait trouvé il y a quelques mois. Enfin, au mois de septembre, quelque chose comme ça. Maintenant, on n'en trouve plus. Et alors, je me demande s'il n'y a pas... Ouais, il y a un système comme ça où il faut que je baisse. Voilà. Comme ceci. Voilà, ça fait la carte comme ça. Et moi, au dos, j'ai le petit mot. Oui, je vais mieux. Oui, je vais mieux. Merci. Ben moi aussi, je te souhaite aussi de bonnes fêtes de fin d'année. Mais je reviendrai un peu plus tard pour souhaiter à tout le monde aussi. Mais Stéphanie, oui, je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année à toi aussi. Et merci pour ta carte. Et elle est vraiment elle est superbe, ta carte. Vous avez des idées géniales. J'aurais pas pensé à faire une carte comme ça. Il faudra que j'étudie comment que t'as fait. Alors, je sais pas si tu as une chaîne, Stéphanie, je m'en rappelle plus. Si tu as une chaîne ou pas, il faudra que j'essaye de voir ça. As-tu une chaîne ou as-tu pas une chaîne? Ah ah, as-tu ou as-tu pas une chaîne? Et normalement, on doit pouvoir, voilà, le remettre à plat. Donc là, hop, après, c'est revenu à plat. Donc elle m'a envoyé aussi une ATC Holy Night, la petite étiquette ici, très jolie. Et puis donc c'est une base noire. Elle est venue mettre un papier décoratif petit renne ici en matage. Puis ensuite elle a mis une image. Essaye de voir ce que c'est. C'est des boules, je pense que c'est des boules de sapin sur ton image. Il y a du brillant dessus. Ouais, il y a du glitter quoi. Elle a mis
un petit stickers puffy là. C'est du ou. Du ou. Ouh. Où ça? Ici. Du ou ici. Un joli petit sapin, les petits strass. Et là, je pense que c'est toi qui est venu faire des petits traits. Je sais pas trop avec quoi tu les as fait, les petits traits comme ça, dorés. Je sais pas. Et donc la petite étiquette, dans le même principe, avec la petite cordelette rose qu'on avait eue à un moment donné, chez Action. Donc je vais vous dire, c'est Holy Night. Elle a été faite le 30 novembre 2022, c'est la une sur une. Donc, de Stéphanie. Et elle me met son adresse mail. Oh, merci. Merci beaucoup. J'ai dit de... Ouais, t'es du 51. Je crois que je l'ai dit. Et elle m'a fait une jolie Memory Dex. Très jolie Memory Dex. Donc c'est une découpe. Et elle a mis deux découpes que tu es venu coller côte à côte ici. Et après une troisième, je pense. Tu as fait un montage de découpe ou alors ton papier il est comme ça. Ah, je me pose des questions. Là, il y a un très joli stickers. Ici. Et puis là, le sapin, il est en 3D. Les sapins comme ça en 3D. Et là, ici, c'est le flocon de neige qui est aussi... là, le sapin, c'est voilà, c'est un peu puffy. Et puis là aussi, c'est puffy. Des brillants. Et en haut, il y a marqué Merry Christmas. Et je vous fais voir de plus près. C'est trop joli. C'est trop joli. Ah ouais, je dois t'avoir sur Insta. Ouais. Elle aime les couleurs pastel, les paillettes et tout ce qui brille. Les fleurs, les papillons, etc. Ah, c'est trop bien. Merci beaucoup, Stéphanie. Et donc, elle m'a mis un petit chocolat d'un. Les petits chocolats d'un. Alors ça, j'aime bien. Des fois, c'est mes dents qui n'aiment pas trop. Parce que des fois, j'ai des petits accidents avec mes dents, avec le camarel. Le camarel. Non, le caramel. Belle. Après bon, ça arrive pas souvent, heureusement encore, mais des fois ouais, ça m'arrive. Une fois ça m'est arrivé avec un brownies. On était parti une journée à la plage avec un ami, avec des amis on s'est rencontrés, on a mangé ensemble et puis au dessert on a mangé un brownies et puis moi je suis tombée sur un morceau un peu dur, j'ai insisté et je me suis cassé une dent. Et elle m'a mis une petite tablette de chocolat. Ah bah ouais, une petite tablette de chocolat de Noël. Milk chocolat, c'est du chocolat au lait. Donc merci beaucoup. Alors ouais, le chocolat, je vais pas remettre dans l'enveloppe. Je vais remettre tes créations dans l'enveloppe. Par contre, le chocolat, je vais pas remettre dans l'enveloppe. Hein. Non, 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 non. Voilà, donc tu es le numéro 23. Oh, bah ça redescend. Ça redescend. Voilà, reste ici. Non, obéis-moi. Enveloppe, pas bouger. Enveloppe, pas bouger. Ouais, c'est bon. Donc, et puis bah, je vais vous faire un petit blabla pour mon concours. Parce que, voilà, comme j'ai été malade, puis que, bon, je vais mieux, hein, je vais beaucoup mieux. J'ai encore le nez pris, mais bon, c'est pas grave, ça va bah, finir par partir. Mais bah du coup je suis en retard dans pas mal de choses, alors je voudrais repousser l'échéance du concours qui était au 20 décembre, parce qu'après comme il y a le 25 c'est Noël, le 1er bah c'est le 1er de l'an, il n'y a pas changé ça, hein? Non ça change pas, tous les ans c'est pareil, donc je voudrais
repousser la limite du concours au 10 janvier. Alors, le 10 janvier, je ne sais même pas quel jour que c'est, un 10 janvier. Parce que je dis ça. Mais quoi, c'est quoi le 10 janvier? C'est un lundi ou c'est un mercredi ou c'est un dimanche? 10 janvier. Il y a plein de choses qui sont ouvertes sur mon téléphone. Téléphone câble. Parce que là, si je fais le tirage comme prévu le 20 décembre, après on tombe dans Noël, tout ça, j'aurais pas le temps et l'énergie pour envoyer les cadeaux. Ah oui, parce qu'il y aura deux gagnantes comme d'habitude. Elles ne gagneront pas la même chose par contre. Ah non. D'habitude, elles gagnent la même chose, mais là, elles ne gagneront pas la même chose. Bah non. J'ai le droit, je fais que ce que je veux. Donc là, bah ouais, parce que le 20, après, je me suis aperçue, bah ouais, le 20, c'est la semaine de Noël. Le dimanche, on est le Noël. Après, c'est la première. Alors après, je me suis dit, bah oui. Tiens, jusqu'au mardi 10, c'est pas mal ça. Donc vous avez jusqu'au mardi 10 janvier pour m'envoyer vos participations. Donc les personnes qui avaient peut-être peur de ne pas pouvoir participer ou voilà, ne vous inquiétez pas, vous avez encore du temps. Donc bah, je vous le redirai hein, parce que bon là je change, voilà, je change la date. Donc ça sera le 10 janvier, la fin vraiment, fin finale. La finale, pas de la Coupe du Monde, mais la finale de la finale de mon concours, ça sera le 10 janvier. Donc, vous pouvez encore m'envoyer des cartes, parce que c'est ce que je demandais au départ, et c'est ce que je demande toujours. Donc, vous m'envoyez une simple carte. Hein, après, si vous voulez faire plus, vous pouvez faire plus, hein, ça ne me dérange pas du tout. J'adore tout ce que vous faites. Donc voilà, et puis moi ça sera plus simple à gérer pour moi en mettant au 10 janvier. Parce que là j'ai des réclamations, on me réclame des vidéos là pour mes partenariats. Donc il faut absolument que je termine ça. Et il y a un truc que j'ai reçu que j'ai pas encore déballé. Bah oui, j'ai pas fait le unboxing. Oh, je suis en retard. Alors je sais pas comment il s'appelle le lapin là qui court tout le temps après l'heure. Mais je suis comme lui. Donc voilà, je vous laisse, je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de scrap bisous, et je vous dis à très bientôt, scrap bisous les copains, les copines, à bientôt.